Le débrief de cette soirée qui a eu lieu donc dans les locaux de Mosaïque ici, Cité Brutus à Cayenne, organisée par SOS Jeunesse et sa présidente qui est devant nous, Wilna Saint-Cyr. Un plateau d'artistes, bravo, avec des jeunes de tous les quartiers, Cayenne, Rémire-Montjoly, Matoury qui étaient réunis avec des cadeaux à la clé. C'était le but de finalement mettre à l'honneur et de parler de la jeunesse autrement. Oui, donc j'ai tenu à faire cette action-là avec plusieurs jeunes, de façon à valoriser les jeunes des quartiers. Donc parmi nous, il y a un jeune de Montlucas, des jeunes de Balataï, un jeune de Mongo. Il faut valoriser cette jeunesse parce qu'en Guyane, les jeunes, ils ont beaucoup de talent. Donc il fallait faire quelque chose pour la fin d'année de façon à la valoriser, sans oublier que cette année, elle a été très perturbée avec la Covid-19. Donc c'était une façon pour nous de les mettre à l'honneur. Et je tiens à remercier tous les partenaires, la régie de quartier pour les cadeaux, la ville de Cayenne et surtout la radio Mosaïque qui nous a mis l'espace à disposition. Donc merci à tous. Merci Wilna Saint-Cyr. Votre porte-parole de l'association chargée de communication, vous êtes vous de Montlucas. C'est également, ça fait partie des événements de la soirée, on parle de Montlucas en bien avec des artistes, des gens qui chantent et qui s'investissent. Donc bonsoir, donc effectivement oui, je suis un des porte-parole de l'association SOS Jeunesse, donc je suis Ali Kereno. Oui, il faut mettre en avant en fait les talents de la jeunesse, enfin c'est un des domaines dans lesquels on arrive à rassembler, surtout enfin la culture et puis la vie artistique. Donc oui, nous, notre association, en fait, elle est très investie dans ce domaine-là. Merci beaucoup. On va se tourner vers les jeunes. Donc musiciens, DJ notamment, DJ City Mix de Balata, entre autres. Mais il n'y a pas qu'à Balata que vous mixez. Oui, c'est partout de Cayenne. Et normalement, je représente Skyson Family. Et des fois, j'ai organisé des soirées en même temps. Des gens m'ont appelé pour faire des soirées aussi. Bon, c'est tout. C'est quoi, si on pouvait définir ton style de musique électronique ou... C'est tout sorte de musique. Il y a dancehall, reggae, bon, R&B, tout. Et si tu fais des représentations toutes les semaines, tu t'entraînes souvent, comment ça se passe? C'est tous les jours, c'est comme si je mange tous les jours, tu vois. C'est la vie, c'est la vie d'artiste. C'est comme ça. Alors, je te laisse me présenter tes collègues également. Donc, il y a un autre DJ de Balata et de Mango, c'est ça? De Mango et DJ Blackman. Alors, DJ Blackman, bonsoir. Non, salut. Blackman, pardon, excuse-moi. Toi, tu es de Mango, c'est ça? Ouais, bonsoir. Je suis DJ Blackman de Mango et sans oublier Big Up et toutes ces blés des jardins du collège, Zephyr, Family. Et on est là, ça fait plusieurs années. On fait toujours des programmes, organiser des trucs pour les enfants, les jeux avec les enfants, et voilà. Et organiser des programmes, et mais un peu de Charlotte de la Guyane, quoi. Ce que fait l'association SOS Jeunesse de vous réunir et de vous mettre à l'honneur, c'est quelque chose qui vous touche? Oui. C'est bien. Et c'est à cause d'elle que je suis là aujourd'hui. L'association Skyson Family, créée par SOS Jeunesse, Wilna. Et ça me donne beaucoup de power vers la Guyane. Et big up la Guyane 973 Family. Hop. Merci, big up également. DJ City Mix, allez, je vous laisse me présenter votre dernier collègue pour un petit salut, une petite salutation. Bon, c'est mon collègue, il s'appelle Kenny. Et donc également de Balata, c'est ça? De Balata, oui. Ok, ben big up, bonne soirée. Merci, et félicitations. Et aussi, je vous un gros big up pour tous ces frangins, dis-moi. Et normalement, comme il y a beaucoup. Ok, on va big up pour les 7 en général. C'est Timix d'ailleurs, gang, à tell your vibes. Merci, bye. Merci. Mal, Sky.